Le Uzi, salope, je veux pas m'excuser. Moi, je voulais que ta poussie, bitch. Allo, tu dis quoi? Bendo, ça dit quoi? Je suis dans le four, dans le bex, mais dis-moi, tu dis quoi? Allo, tu dis quoi? Bendo, ça dit quoi? Je suis dans le four, dans le bex, mais dis-moi, tu dis quoi? Salut tout le monde, c'est Narso. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch pour avoir plein d'argent en illimité pour les pauvres. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc, grâce au RC Bandito. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur. Donc, pour tous les nouveaux. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc, surtout Snap, voilà. Parce que je dis quand les glitchs sont patch, je dis tout, voilà, sur mes vidéos. Et je dis quand il y a une nouvelle vidéo si vous n'avez pas reçu la notif, voilà. Du coup, on va tout de suite passer aux besoins. Donc il vous faut, enfin, les besoins vont s'afficher tout simplement à l'écran parce que j'y parais que ce moment dans la vidéo, voilà. Hop, donc il faut spawn au bunker, avoir l'arène, avoir un RC Bandito modé de préférence et une élégie dans l'arène, voilà. Donc l'élégie tout simplement, donc je pense que vous avez compris, on va la merge, voilà. Donc une fois que on a spawn au bunker, on va se rendre simplement à notre arène. Et une fois dans notre arène, on va tout simplement prendre une élégie. Donc l'élégie comme je vous ai dit au début de vidéo. On va rentrer dedans et on va faire flèche de droite. Donc une fois que c'est fait, donc là on est dans l'atelier. On va faire tout simplement rond et descendre du véhicule. Et on va rendre visite à notre RC Bandito. Donc pour faire défiler les catégories. Je répète, il faut qu'il soit modé, c'est mieux. Ah, donc ensuite, on va faire rond, quitter l'atelier quand on a défilé assez de catégories. On va remonter dans notre élégie et là, on va rester appuyé sur start. Et dès qu'on va lâcher start, tout simplement, on va spammer flèche de gauche, donc quasiment en même temps. Voilà. Normalement, ça doit nous faire un écran bugué. Voilà, donc moi, je vais refaire. Regardez, je suis dans mon élégie. Je reste appuyé sur start. Et dès que je lâche, bah, en même temps, je spam flèche de gauche, voilà. Donc hop, là je vais vous refaire un ralenti. Donc je reste appuyé sur start. Et dès que je lâche, simplement je vais spammer flèche de gauche. Voilà, donc moi j'ai galéré encore pendant longtemps, voilà. Et si vous faites flèche de gauche trop tôt, donc ça fait comme moi. Donc là il faut tout simplement revenir à l'atelier. Et rendre visite au RC Bandito pour défiler les catégories. Et se remettre dans notre élégie, voilà. Donc là, je vais réussir, regardez. Donc je me mets dans mon élégie, je reste appuyé sur start, et dès que je lâche start, voilà, je spam flèche de gauche, donc quasiment en même temps. Et si ça vous fait un écran bugué, c'est nickel, voilà. Donc vous attendez que votre perso court vers la gauche, et ensuite on va faire rond, voilà. Donc une fois qu'on a fait rond, on va se mettre simplement en première personne pour se débugger. Et on va faire une danse quand il a arrêté de courir. Voilà, donc on fait une danse. Et là ça y est, on est débugué, donc on peut se mettre encore une fois en troisième personne. Et là on a juste à aller voir notre élégie et on peut la revendre, voilà. Donc si vous avez un RC Bandito modé, c'est entre 100 000 et 200 000 comme moi. Donc moi j'ai vendu 120 000. Si vous avez un RC Bandito pas modé, donc ça peut être entre 20 000 et 100 000, voilà. Regardez, donc vendre le véhicule, moi c'est bien 118 000, donc c'est à peu près 120 000, voilà. Donc si vous voulez garder les dégâts ou vous changez tout simplement une pièce du véhicule ou alors vous la vendez, voilà. Donc c'est un beau glitch pour les pauvres quand même, c'est quand même pas mal. Bref, moi je vous laisse sur le gameplay, moi je vous dis à la prochaine.